fait l'assassinat de l'ancien président. En pile, moun annoncé des ouvrages. On s'est tous les livres qui déjà réalisés pour expliquer, après sa mort, bien sûr, qui est Jovenel Moïse Teye. Nous pensons qu'il y a un livre qui paraît tout de suite après l'assassinat du président, qui était quand même présenté et personnage dans de l'autre facette que probablement l'autre monde pas forcément connaît. C'est un livre ça qui était relé Jovenel Moïse, Le rêve assassiné. Son livre qui était quand même réuni un ensemble de textes qui était sorti en bas de plume. Plusieurs mondes qui étaient travaillés avec Jovenel Moïse, bien sûr, sous la direction de l'ancien directeur de communication de la présidence Jovenel Moïse. On a parlé là de Emmanuel Jean-François, mais t'es gagné de l'autre monde tout. Il a écrit des textes pour être capable de faire livre ça. T'as coup, ancien secrétaire général, conseil ministériel Reynald Luberis. T'as coup, Guichard Doré, qui est ancien conseiller et Jovenel Moïse. T'as coup, Thomas Jacques, ancien ministre agriculture, qui est même déjà joué tout dans la question caravane changement. T'as gagné, entre autres, hein, Pierre Josué, Agenor Cadet, qui lui-même c'était ancien ministre de l'Éducation nationale. Ça m'a dit Stanley Lucas. Où est-il passé, hein? C'est monde qui était toujours demandé justice pour Jovenel Moïse. Qui ça a expliqué? Tu vas dire quelque temps, non? Ou imagine au 7 après arriver là. Sont toujours vivants. Stanley Lucas, un petit message pour nous quand même. Sont toujours vivants, Stanley Lucas, que tu vas attendre quelque temps. Un gars, puis l'autre monde qui a tweet pour demander. Pour demander. Pour demander justice. Jovenel Moïse. Donc, on pas vrai ou non? Peu ou pas au courant ou bien je vois dessus, je vais rendre compte. Bon, ça, il y en a dans eux. Eh bien, dans même ligne sa guerrier, il y a un autre livre qui gagnait pour paraître tout sous Jovenel Moïse. C'est pendant le dernier trimestre de l'année 2024. Son livre de Patrick Alexis, qui a pour titre Jovenel Moïse, un président solitaire. Ok. Dans le livre, ça, auteur guerrier du seul, va l'expliquer, dit par rapport que Jovenel Moïse, tu as tout le monde, soit dans la sécurité, soit qui t'a travaillé avec elle, soit qui t'a derrière, soit qui t'a dit, tu avais un beau temps, un mauvais temps, mais ça n'a pas empêché avec facilité, Jovenel Moïse, t'es assassiné. Donc nous prenons au moins brièvement, par la Patrick, qui prend, dis-nous, en substance, qui sa livre sa gen la dal et qui le moun yo capable espérer li livre la et qui côté la disponible pour yo. Patrick Alexis qui li même partagé avec nous des extraits en cas de livre sa guerrier du seul. Si vous avez technique fait pour ka jeune Patrick, vous avez contact avec lui là, oui. Hein? Difficulté technique. Oui, Patrick Alexis qui invite nous là pour nous faire un voyage à travers le livre ça. Et c'est Jovenel Moïse, un président solitaire. Il semble beaucoup de jeune Patrick, guerrier. Si nous beaucoup de jeune Patrick, nous n'avons pas obligé de passer à autre chose dans le journal là. Patrick Alexis, oh, malheureusement. Patrick, soit attendez nous et Fensin. C'est avant pour Zenda Pala Patrick. Côté monsieur Patrick Alexis expliquait que solitaire, être solitaire son choix, mais la solitude ne l'est pas. Donc Patrick Alexis, probablement pas le bon nom, plus explication, puisque dans le livre ça, auteur lui-même, il pourra le gagner pour faire lecteur voyager dans sa réalité, le chemin de la méchanceté démesurée de la politique haïtienne. Il pourra essayer de faire ouais tout, comment président lui-même. Ok. Merci, Patrick Alexis Hélène, guerrier de seul. Okay. Ok. Patrick, bonjour. Allô, Patrick? Bonjour, monsieur Alexis. Allô? Bonjour, monsieur Alexis. Bonjour. Jovenel Moïse, le président solitaire. Je vais laisser quelques détails, mais le livre est un livre fort. Et pas moi qui t'ai écrit l'avant, je vais battre là. Dis-nous qui ça nous doit retenir en substance de livre ça qui doit paraître incessamment. Bon, pour permettre de dire bonjour, Johnny. Bonjour, Dieu seul. Bonjour, toute auditrice, tout auditeur, tout internaute Radio Caraïbe. Et c'est un plaisir pour moi pour m'intervenir. Alors, forme d'abord, livre ça rend hommage à Dr. Ronnie Gillot.
Parce que si Dr. Rouni Gilot est là, c'est un homme qui t'a écrit un livre correct, correct, normal, sur la vie, sur le parcours. Et président Jovenel Moïse, qui t'a mis son livre qui a sorti dans fin année, m'a bien 50 ans. Et en septembre, fin septembre, son livre que je prévois fait signer dans un jour qui est anniversaire, moi. Si toute bagaille pas, si toute bagaille passait bien. Et son livre n'a besoin d'autre côté. Livre là retracé, c'est une biographie approfondie de la vie Jovenel, président Jovenel Moïse, qui que Mandal était marqué par un ensemble de défis et qui était une fin tragique. Son livre qui expliquait il y a des bagailles des pour parler au pays ou pas prêter vivant. Il y a des bagailles des pour t'as essayé faire ou pas prêter vivant. Il y a des bagailles des pour voulez avancer sous yo. Ou pape ka vivre, ou pape ka rete sous pouvoir. Et son livre qui retrace hypocrisie, qui retrace méchanceté, qui retrace bluff qui gagne dans la question moun à moun en Haïti, qui voulait qui parlait de Jovenel qui était face, qui était seul face à famille, qui était seul toujours face à Zamil, face à Aliel, face à famille politique, qui était seul face à classe et origine, qui était seul tout face à pays, face à système, non, face à communauté internationale. Son livre tout qui tentait de mettre devant une bonne réforme du président Jovenel te voulait faire, mais il était toujours pour col. Et son livre tout qui montrait que Jovenel Moïse, c'est ton président, c'est ton monde qui était très controversé par rapport à une série de monde que le te gen bon côté. C'est un livre tout qui là pour faire tout le monde comprendre politique haïtienne, non? Dynamique pouvoir en Haïti, parcours un président qui saute en côté comme paysan, entrepreneur, et puis un beau matin qui arrive président dans figure bon l'autre monde qui te connaît que c'est yo que qui t'a président. C'est un livre qui montrait que qui sa solitude yé. C'est un livre qui montrait qui dit qui gagne les que gagne série de bagaille qu'on voulait faire pour payer ça et puis il y a l'autre monde qui pas d'accord et qui coalition qui a fait contre vous. C'est pas un livre qui pral dire Jovenel t'es bon Dieu. C'est pas un livre qui pral montrer que même si Jovenel t'es toujours voulu reconnaître lui comme président après Dieu, c'est pas un livre qui pral parler comme ça, mais son livre qui pral faire une biographie de origine yon moun qui sorti en dehors, qui vient n'importe où, vin président et que li mouri pour col pendant qu'elle t'a gagné 300 400 moun dans ligne sécurité. Pas un monde qui blessé, pas un monde qui prend balle, pas un monde qui en difficulté jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le livre là retrace. Nous pensons à nous ça après le faire mon yorité sous soif yo. Donc n'attend septembre si grand mettre la prétend la vie, si pays a toujours existé pour nous al garder après fin le livre là 1 2 3 4 qui ça doit retenir, qui ça doit comprendre même parce que annonce là est quand même intéressant dans la mesure où on paquet de bagarre évoqué là. Mon yota bien aimé connaît comment monsieur Alexis lui-même li abordé. C'était oui. Juste une annonce. Nous alors, oui, c'était juste. Alors, c'était juste une annonce. M'a fait une autre annonce encore. Après votre signature livre, ça, qui était tout annoncé que m'a écrit là le cas d'Ariel. Oh, Ariel, tout d'abord, oui. Le cas d'Ariel. Après votre signature, ça, oui, m'a annoncé ça. Même genre, on a parlé de cas de Jacques en Haïti, ça voulait dire. On délicat cas de Jacques en politique. En politique, quand il faut commencer à comprendre, ça veut dire le cas d'Ariel. Il y a un monde qui voyage, qui besoin de tourner dans le pays, et puis il n'a pas qu'à tourner le tour et dehors net. DDN. Ça veut dire, est-ce que c'est un coup d'État? Est-ce que c'est une autre forme de coup d'État? Mais c'est un cas quand même pour analyser dans la politique en Haïti. Alors, après Jovenel, un président solitaire, moi-même, moi, à travailler là sur le cas d'Ariel. Et tous deux livres, ça, c'est un hommage à Dr. Rouni Gilot. Merci beaucoup, Monsieur Alexis. Camilla, enfin. En attendant, le cas d'Ariel, n'attend en septembre prochain, Jovenel Moïse, un président solitaire.